السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق من الحق، ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc aujourd'hui on va aborder le chapitre 16 qui en même temps représente le 17e enregistrement en ce qui concerne ce livre exceptionnel qu'a écrit notre cher Cheikh Nahaj Omar Al-Futiyutal, radiyallahu ta'ala anhu, qui est Rimah. La semaine passée, on avait abordé le chapitre 15 qui avait évoqué cette tendance que certains peuvent avoir à vouloir se proclamer cher, à vouloir se mettre devant tout le monde, à vouloir tout simplement mélanger et la spiritualité et dunya. Alors que avoir une ambition, c'est normal, mais l'ambition de quelqu'un qui a le cœur rempli de lumière, c'est d'avoir encore plus de lumière, avoir encore plus de modestie, plus d'humilité, plus de masha'Allah, plus d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, al-faslu sadisu ashra. في إعلامهم أن أول قدم يضعه المريد على هذا الطريق الصدق. Alors dans ce chapitre, il évoque la notion de sidq. Sidq, c'est-à-dire être quelqu'un qui est véridique. Quand tu parles, c'est la vérité qui te fait parler. Quand tu agis, c'est la vérité qui te fait agir. Dans ton comportement de tous les jours, tu vis Masha'Allah, avec la vérité. Alors, il dit qu'on ne peut pas s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala si nous ne vivons pas dans un environnement de vérité. Être véridique dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous entendons, et même dans ce que nous voyons, et c'est quelque chose qui est très important. Fa'aqulu wa billahi tawfiq. وهو الهادي بمنه الى سواء الطريق. Alors Cheikh Nahaj Omar radhiyallahu anhu, il commence ce sujet, ce chapitre, par des citations qu'il fait, comme il a l'habitude de le faire. Il cite des imams, il cite des intellectuels, il cite des chers, des gens qui ont abordé déjà ce sujet, en plus de la connaissance, la science que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Et comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui, en matière d'honnêteté intellectuelle, masha'Allah, est exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. قال الإمام القشيري في رسالته. Alors il cite l'imam al-Qushayri, rahmatullahi alayhi, في babi وصايا المريدين. Alors, en ce qui concerne le chapitre où il donne des conseils aux disciples, il donne des conseils aux gens qui veulent se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui veulent avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأول قدم للمريدين في هذا الطريق ينبغي أن يكون على الصدق. Donc le premier pas que mashallah, que le disciple il fait dans ce domaine,
c'est qu'il doit être quelqu'un qui est véridique. Ne pas tricher, ne pas faire semblant, ne pas faire quelque chose parce que tu as un intérêt derrière, et assez souvent, un intérêt que tu n'évoques pas. Alors, si tu n'es pas véridique, ce n'est pas la peine. Ne te fatigue pas. Alors, il évoque toujours l'imam al-Qushayri, rahmahullah. قال الأستاذ الصدق تاجنا. Alors il dit que la vérité, être quelqu'un qui est véridique, mashallah, c'est notre auréole en quelque sorte, c'est notre étendard. Quand on nous voit, c'est la première chose que l'on voit en nous. الصدق تاجنا عماد الأمر وبه تمامه وبه نظامه. Alors c'est le pilier de notre action, de tout ce que nous faisons. Alors tout se complète par rapport à, mashallah, à cette qualité d'être quelqu'un qui est véridique. وهو التالي درجة النبوة تالي درجة النبوة قال تعالى. Il dit que aussitôt après avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, aussitôt après avoir évoqué les prophètes, il a parlé des gens qui sont véridiques. Donc c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué les prophètes, il aurait pu évoquer une autre catégorie de personnes. Mais il a d'abord évoqué les gens qui sont véridiques. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas de passer son temps à lire le Coran si tu n'es pas quelqu'un qui est véridique. Il ne s'agit pas de passer son temps à prier si tu n'es pas d'abord quelqu'un qui est véridique. S'il ne s'agit pas de passer ton temps à donner, d'abord il y a le premier pas. Si tu ne le fais pas, parce que passer son temps à prier alors que tu n'es pas véridique, tu risques de faire partie des hypocrites. Les hypocrites, ça n'intéresse pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils étaient ces hypocrites, al-munafiqoun, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien ils étaient, parfois même ils allaient même dans les combats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux. لن يغفر الله لهم. Alors Allah ne leur accordera jamais son pardon. Et pourtant ces gens-là, ils se sont confrontés à la mort, ils ont presque donné leur vie pour défendre l'islam, mais en réalité, c'était des hypocrites. Ils priaient derrière qui? Ils priaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Et pourtant, c'était des hypocrites. Ils lisaient le Coran, ils récitaient. Et pourtant, c'était des hypocrites. Donc, être véridique, c'est très important. Si tu n'es pas véridique, tout est faux dès le départ. Quel que soit l'effort qui vient par la suite, quel que soit, la valeur de la science qui vient par la suite, ça n'intéresse pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il a dit, « فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ » Et même avant de parler, d'évoquer les martyrs, Allah il a évoqué les siddiqoun. Parce que dans ce verset, il a dit Oulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhi min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salih wa hasuna ulaika rafiqa. Il a évoqué les prophètes, il a évoqué les siddiqoun, ces gens-là qui sont des véridiques. Ensuite, il a évoqué ceux qui sont tombés dans le champ de bataille. Et ensuite, il a évoqué les salihoun, les gens de Dieu. Donner sa vie, pourtant c'est important. C'est très important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout ceux qui l'avaient fait derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle que soit cette valeur, quelle que soit cette importance, eh bien, elle vient après celui-là.
qui a un cœur véridique. Quelqu'un qui est véridique, on peut tout simplement compter sur lui. On peut tenir compte de sa parole. Il te dit qu'il est là, il sera là. Il ne va pas te dire qu'il est là, ici à Marseille, et qu'en réalité, il est à Dakar ou à Washington. C'est ça la parole. Avoir la parole, c'est très important. Et c'est pour ça que Hajj Omar, il a consacré un chapitre rien que sur cette notion de sincérité. Parce qu'à Sidre, c'est la sincérité. Être quelqu'un qui est véridique, c'est que tu es sincère. Tu es sincère quand tu parles. Tu es sincère quand tu donnes ta parole. Tu es sincère quand on te fait confiance. Tu es sincère quand tu es, tu prends un engagement. Ça veut dire tout simplement qu'on peut compter sur toi. Alors, autant c'est important, la sincérité entre les hommes, et c'est encore plus important entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime les gens qui sont sincères. Il va le dire tout à l'heure. Tout à l'heure, on va y arriver, inshallah. Wassadiq al-ismu al-lazimu min al-sidqi wa al-tasdiq al-mubalagha. Alors, al-sadiq, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec la sincérité, la vérité. Parce que la sincérité, c'est la vérité. Tu ne mens pas. Tu ne marches pas avec le mensonge. Tu ne dis pas quelque chose alors que tu as l'intention de faire le contraire. Tu ne dis pas que je vais donner alors qu'en réalité, non seulement tu ne donnes pas, mais si tu peux spolier, prendre, subtiliser, tu vas le faire. Alors, as-sadiq, c'est celui-là qui est sincère. Alors, at-tasdiq, en quelque sorte, ils disent que c'est une façon de renforcer cette notion de vérité dans nous-mêmes et dans tout ce que nous faisons. Wa aqallu sidqi istiwa as-sirri wal alaniya. Alors, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il commence à donner une explication sur la notion de sincérité. Quelqu'un qui est sincère, pour lui c'est pareil, ce qui est caché et ce qui est apparent. Sa parole, c'est la même. Ce qu'il dit dans la chambre, c'est ce qu'il va dire dans l'assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire que c'est jaune ici, quand il sort, il va dire que c'est rouge. Non. Ce que tu dis la nuit, c'est ce que tu dis le matin. Ce que tu dis quand tu es content, c'est ce que tu vas dire quand tu es fâché. Ce que tu dis quand tu es satisfait de quelqu'un, c'est ce que tu vas dire quand tu as de mauvais rapports avec lui. En quelque sorte, il ne faut pas que la vérité change selon tes humeurs, ou selon l'endroit où tu te trouves, ou selon les gens qui sont avec toi. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il dit que wa aqallu sidqi, le minimum pour la sincérité, istwa as-sirri wa al-alani. Il faut que ce qui est caché, que tu sois dans un endroit discret, dans un endroit, mashallah, comme à la maison ou dans la chambre, soit pareil que lorsque tu es, mashallah, dans un endroit qui est apparent ou dans un endroit public, etc. etc. Wassadiq man sadaqa fi aqwalihi. Quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il dit la vérité. Wassiddiq. Alors là, il est en train de nous expliquer les formes de sincérité qui sont liées à... Parce que as-sidq, c'est la sincérité. As-sadiq, c'est la forme fa'il. Fa'il qui vient de, mashallah, de ce mot. Donc, c'est celui qui fait. Siddiq, c'est la forme fa'il. Et donc là, il est en train de nous expliquer. Il dit que le sadiq,
c'est celui qui, quand il parle, il dit la vérité. Wassiddiq, alors là, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce que c'est la forme de fa'il. Man sadaqa fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Alors, fa'il, c'est plus seulement celui-là qui est sincère, qui dit la vérité quand il parle, mais quand il agit. Tu vois la vérité et la sincérité jaillir. Dans ses comportements aussi, quand tu le regardes, tu vois, c'est comme si tu sentais le parfum de la sincérité quand il est là. Et là, c'est plus fort. Et Cheikh Hajjama radiallahu anhu, il continue. Voyez ce qui est extraordinaire avec Cheikh Hajjama radiallahu anhu. Cheikh Hajjama radiallahu anhu, c'est que parfois il prend un mot, il te fait une dissertation sur le mot là. Et il peut rester très longtemps. Regardez, sur le chapitre Siddiq, As-Sidr, il a fait presque dans les mains 6 pages, 6 pages et demie, rien que sur un mot. Alors, pour vous dire que c'était quelqu'un qui avait une fertilité intellectuelle, si on peut le dire de cette façon, mashallah, une richesse en tout cas extraordinaire. Jazakallahu khairan. Wa qala Sheikh Ahmed ibn Hadrawiya, man arada an rahimahullah, man arada an yakuna Allah ma'ahu, falyulazim as-sidq. Alors, si tu veux que Allah soit toujours avec toi, sois sincère. Si tu veux que Allah soit toujours avec toi, sois sincère. Pourquoi? Fa inna Allah ta'ala qal, inna Allah ma'a s-sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les gens qui sont sincères. Mais il n'y a rien de plus désagréable d'être avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Même avec toi-même. Même avec, si tu n'es pas sincère, à un moment donné, tu dois te détester toi-même. Parce que tu n'es pas à l'aise dans ton propre corps. Tu n'es pas à l'aise tout simplement dans ta conscience. Alors, tu te gênes toi-même avant de gêner les autres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être dans le corps de quelqu'un, ou en tout cas dans la conscience de quelqu'un, ou dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas sincère. Tu ne peux pas avoir la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important. وَقِيلَ أَصِّدُقُ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي مَوَاطِنِ الْهَلَكِ. Alors, Cheikh Hajjama radiallahu anhu, il continue sa dissertation. Il dit que certains ont expliqué la notion de sincérité par le fait de dire la vérité quand tu es dans une situation de danger, une situation difficile, une situation compliquée. Parfois, tu te dis que, attends, je ne vais pas dire la vérité, je vais mentir, comme ça je m'en sors. Alors là, eh bien, tu n'es pas sincère, tu n'es pas véridique. Il te dit, la vraie sincérité, ce n'est pas seulement quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, mais la vraie sincérité, c'est quand c'est difficile, quand c'est compliqué. Et malgré que c'est compliqué, tu dis la vérité quand même. Aïwa. Alors, il a cité beaucoup d'intellectuels. Vous savez, il a cité beaucoup d'imams, beaucoup de chers qui ont écrit des livres, qui ont beaucoup disserté sur cette notion. Il a cité aussi Sahl ibn Abdullah rahmatullahi alayhi. Il a cité aussi Abu Sa'id al-Qurashi aussi, rahmatullahi alayhi. Ce dernier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit As-Sadiq, As-Sadiq alladhi yatahayya'u lahu al-maut wa la yastahyi min qadrihi law kushif. لأن الله سبحانه وتعالى قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Alors il dit que quelqu'un qui est sincère,
c'est celui-là qui est guetté ou peut être guetté par la mort. Et il n'est pas perturbé par la force et l'efficacité de la mort. Puisque la mort, elle est efficace. Tout le monde est d'accord là-dessus. La mort, elle est efficace. Et il n'y a personne jusqu'à présent qui a pu encore résister à la mort. Que ce soit quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de science, même les savants, même les médecins, ceux qui aident à... Je ne sais plus comment le dire, à lutter contre la mort. Même les médecins, ça leur arrive parfois d'être terrassés par la mort. Alors, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit aux Yahoud, fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Alors, si vous êtes sincères dans ce que vous dites, et vous croyez que vous avez la vérité et personne d'autre en dehors de vous, alors souhaitez-vous la mort, puisque Yawm al-Qiyama c'est réservé pour vous. Il n'y a personne d'autre qui pourra profiter de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de vous. Alors souhaitez-vous la mort. Alors, on va finir, puisque c'est un chapitre qui est très long, on va finir avec cette histoire, cette anecdote que Cheikhna Hajjama radiallahu anhu a retenu à prix d'un cheikh qui s'appelait Abi Omar, An Abi Omar, rahmatullahi alayhi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que matat ummi fa warithtu daran fa bi'tuha bi 50 dinar wa kharajtu ila al-hajj. Il dit que sa maman est décédée, alors il a hérité la maison et il a vendu la maison à 50 dinars et il voulait aller au pèlerinage. Falamma balightu babil. Alors il est arrivé dans un village qui s'appelait Babil. Istaqbalani wahid min al-Quyafir. Alors il y a un pirate qui l'a arrêté en quelque sorte. Faqala ish ma'ak. Donc avec leur dialecte, il dit combien tu as? Qu'est-ce que tu as avec toi? فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَصِدْقُ خَيْرٍ. Il dit que, il me demande combien j'ai. Je sais que j'ai 50 dinars. Si je lui dis j'ai rien, peut-être qu'il va me laisser partir, mais ce serait un mensonge. Et si je lui dis la somme que j'ai, peut-être qu'il va essayer de le prendre. Mais j'ai choisi d'être sincère et d'être véridique. فقلت في نفسي الصدق خير ثم قلت 50 دينار. Et je lui dis que bien j'ai 50 dinars avec moi. فقال ناولنيها. Alors donne-moi ces 50 dinars. فناولته السرة. Alors je lui donne la petite sacoche que j'avais. فعدها. Alors il compte l'argent. فإذا هي Il a vu que c'était 50 dinars. Faqala li khuzha. Alors, reprends ton sac, reprends ta sacoche. Falaqad akhazani sidquk. C'est ta sincérité qui m'a touché, c'est pour ça que je ne prends pas ton argent. Allez, prends ton argent. Allahu akbar. Thumma nazala 'an ad-daba wa qala arkibha. Non seulement il lui a rendu son argent, mais il lui a donné même le cheval qu'il montait. Allez, tiens mon cheval, vas-y, va à la main.
Donc pour vous dire que Allahu Akbar, ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est toujours là. Et il est partout. Ne te dis pas que oui, si je fais ci, si je vais, je peux mentir. Non. Et même en dehors de ça aussi, ne te dis pas que aussi, parfois tu es dans une situation peut-être difficile, je vais faire quelque chose qui est haram, comme ça je vais m'en sortir, je vais cacher mon islam, je vais cacher mon iman. Non. Fatawakkal ala Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit ton soutien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si tu t'appuies sur moi, celui qui s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'autre chose. Wa yatawakkal ala Allah, fa huwa hasbuhu. Donc, c'est un chapitre qui est assez long, mais très riche. Mais juste pour dire que tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas sincère. Et tu ne peux pas, parce que quoi? Tu as un cœur que tu veux remplir de lumière. Si le cœur il est sale et que cette lumière arrive, comment est-ce que tu vas profiter de cette lumière? C'est comme si tu avais un récipient et tu veux mettre du lait dedans. Si tu n'as pas lavé le récipient, si le récipient il est sale, eh bien quand arrivera le lait, tu ne pourras pas profiter de ce lait-là. Non seulement tu ne pourras pas en profiter, mais ça risque de ne plus être blanc, avoir la couleur immaculée du lait. Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte tout ce que nous faisons et qu'Allah nous fasse que l'on soit parmi les siddiqoun, parmi les gens qui sont véridiques, qui sont sincères, c'est très important et je vous le rappelle, soyez sincères dans vos relations, que vous soyez dans les associations, que vous soyez dans les hadrat, que vous soyez dans les mosquées, que ce soit au niveau des liens de parenté, dans la famille professionnelle, partout, soyez sincères. La sincérité, c'est le premier pas et c'est très important. Inch'Allah, qu'on dit le hasard, wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum, wa astaghfiruhu innahu kana ghafara. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق ولهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.